Salut, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une recette de pancakes rapide. Pour ça il nous faut 250 g de farine, 25 cl de lait, 2 cuillères à soupe de sucre blanc, 2 œufs, un demi-sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Première étape, je mets ma farine dans le bol. Ensuite, j'ajoute la moitié de mon sachet de levure. J'ajoute ensuite le sucre et le sucre vanillé. Maintenant, j'incorpore un œuf. Le deuxième. Dernière étape pour notre pâte, je viens petit à petit ajouter notre lait. La pâte est prête, elle part pour toute la nuit au frigo. Le lendemain, je récupère ma pâte, je viens mettre un peu d'huile sur un papier et je viens graisser la poêle tout simplement. J'allume ma plaque et j'attends que la poêle soit bien chaude. Une fois qu'elle est bien chaude, je viens tout simplement déposer ma pâte. On voit que des petites bulles se forment au fur et à mesure sur le haut de notre petit pancake. Et une fois qu'on a pas mal de petites bulles, on vient venir le retourner. Bon, moi je galère un peu avec ma spatule, mais sinon ça se décolle très bien, il n'y a pas de souci. Et voilà, le premier est prêt, je vous en montre un deuxième. Donc on met bien notre pâte sur la poêle. On attend l'apparition des petites bulles, puis on retourne. Et voici, cette recette est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, tout est écrit en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bye!